Hola mes bombes, j'espère que ça va. Moi les filles, je suis malade, je me sens toute patraque. Et je suis plus que malade les filles. Je me sens pas bien, vous savez pourquoi? Les filles, dans quelques semaines, j'ai 27 ans et je suis en train de me dire que j'ai pas construit ma vie. En vrai, alhamdoulilah, j'ai construit ma vie, j'ai accompli plein de belles choses dans ma vie. Mais. Mais j'ai pas construit ma vie de famille. Oui, c'est le bordel derrière. Faut que je fasse le ménage, les filles. Rita, elle est off. En vrai, je m'en fous. Et vous, là, j'ai lu là, vos messages. Vous m'avez dit oui, mais t'aurais pu faire ta vie avec Greg. Non, les filles, j'allais pas faire ma vie avec Greg. Non, 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 non. Pas du tout, en fait. Non. Du coup, là, je me remets en question. 27 ans. Ça veut dire que je m'approche de la trentaine, les filles. Non, je suis triste. Les filles, aujourd'hui, je ne fais pas du tout voile au bail. Tant mieux. Moi, de toute façon, le dimanche, je ne sors pas. Le dimanche, c'est le jour où Rita est off, les filles. Ça veut dire c'est moi qui fais le ménage. On va mettre un peu de musique, les filles. Je vais mettre un Rita tranquille. Impossible de se connecter en internet. Je sais pas ce qui se passe. Maïva là-bas, se connecte-toi. Je n'ai pas le mot de passe. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. WhatsApp, pas sur Insta, c'est soit sur Insta, soit sur WhatsApp, un groupe WhatsApp. Ils me disent oui, Maëva, tes fesses, elles sont trop énormes, elles sont pas proportionnelles à ton corps, etc. etc. Je leur dis, mais c'est pas un problème, c'est pas votre problème, c'est mes fesses ou c'est vos fesses? C'est mes fesses, elles sont sur moi, donc c'est ce que je veux, la vie de ma mère.
Et sur la tête de mes quatre neveux, j'ai eu gros la haine, la vie de ma mère. Les filles, grosse nouveauté chez Sinachi, ce muscle de collection privée, il est incroyable. Les filles, l'odeur, si vous aimez, vous savez, le muscle blanc avec une odeur de parfum de luxe, c'est très floral, très fruité. C'est une collection privée, les filles, ça tient super bien. Il est incroyable, regardez. Ça, c'est vraiment un produit de luxe qui tient trop bien. Vous en mettez au niveau du cou, les filles, comme ça. Vous en mettez derrière les oreilles. L'odeur, elle bouge pas, mais l'odeur de musc blanc. Les filles, moi, je suis une grande fan de musc blanc. Avec l'odeur, je vais vous la décrire, c'est du musc blanc. C'est très fruité. Oh là là, je vous jure, cette odeur, les filles, vous allez kiffer. Si vous êtes comme moi, vous aimez les parfums fleuris, les filles, c'est une dinguerie. Donc, pour l'odeur, c'est du musc Tahara avec un côté ambré, un côté sucré, fleuri. C'est mix, les filles. Donc, vous avez le roller et ça, c'est ça tient mieux qu'un parfum, les filles. Ça, vous en mettez, ça tient pendant 48 heures jusqu'à votre prochaine douche. Et même après votre douche, ça sent. C'est super concentré. C'est pour ça que c'est une collection privée. C'est vraiment du luxe, les filles. Vous en mettez à peine un petit peu. Vous voyez, c'est un roller comme ça. À peine un petit peu au niveau du cou, les filles, pour en mettre derrière les oreilles. Et là, ça tient 48 heures, les filles. C'est une odeur. C'est intense, c'est, vous voyez, c'est compact. C'est pas liquide comme du parfum. C'est très compact, les filles. Et ça tient super bien. Vraiment, ça... C'est à avoir, les filles. Vraiment, c'est une dinguerie. Et même les garçons, les filles, c'est une odeur mixte. Je peux plus m'en passer depuis que j'ai testé, les filles, depuis que je l'ai reçu. C'est une dinguerie. Il fallait trop que je vous le présente parce que je sais que vous allez trop kiffer. Et les filles, Sinachi, c'est la marque de muscles que je mets tout le temps. C'est des muscles, les filles, qui sont incroyables. Vous voyez, sur internet, on vous vend des muscles à je sais pas combien. Chez Sinachi, ils sont vraiment pas chers. Vous avez les deux pour 30 euros, les filles. L'odeur, elle tient toute la journée. Les autres muscles là qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, ils sont tout compacts, tout gluants. Ils font des taches sur les vêtements. Les muscles Sinachi, les filles, vous me voyez, j'en mets tous les jours, moi. Ils sont pas collants, ils sont pas gluants, ils tachent pas les vêtements, ils tiennent jusqu'à la prochaine douche. Regardez, ici sur ma coiffeuse, j'ai mes trois odeurs préférées. Donc, c'est Monoi, classique et pêche. Pêche, c'est la nouveauté, les filles. Ça, je vous explique. Vous en mettez au niveau du cou, derrière les oreilles, ici. Vous en mettez ici sur le creux. Vous en mettez en bas, les filles, par l'intérieur, sur la laine. Les filles, vous sentez bon jusqu'à votre prochaine douche. Ça, vraiment, c'est un indispensable. Et là, leur nouveauté, leur Tahara Royal, incroyable, de collection privée, incroyable. Je vais vous mettre, les filles, mes trois senteurs préférés. Après, à d'autres senteurs, je les ai toutes testées. Elles sentent toutes très bon. Mais mes trois préférés, c'est ces trois-là. Les filles, Sinachi, ils sont tellement sûrs d'eux que c'est satisfait ou remboursé. Vous avez 10 jours, mais c'est impossible que vous faites rembourser. Quand vous testez, vous l'adoptez dans votre routine. C'est un indispensable à avoir. Ils sont pas chers, ils tiennent toute la journée. En plus, regardez le packaging, les filles. C'est comme Drink Elephant, c'est trop pratique. Ils sont beaux, ils sont incroyables. Les filles, gros code. Avec mon code promo, vous avez 1% de réduction. Donc, vous avez deux muscles à 30 euros. Je vous ai mis mes trois senteurs préférés. Je vais vous les remettre et je vous passe le code promo. Les filles, vous avez vu la fille sur TikTok? Elle me refait trop bien. J'ai vu ses vidéos, les filles. Je pleurais de rire. Je vous jure, je l'aime trop. On dirait moi. Et si je ferme les yeux, je m'entends. Elle est trop forte. Mais c'est vrai, les filles, j'ai une voix, elle est spéciale. Les filles, vous me connaissez. Moi, le dimanche, je déteste sortir. C'est journée repos, c'est journée maison. Moi, c'est journée ménage. Ça va en bas, c'est pas sale, les filles. Donc j'ai fait que le haut, enfin, que ma chambre. Là, il y a ma demi-sœur qui va venir. Elle va me faire un soin Botox. Là, j'en ai besoin. Moi, vous savez, deux fois par mois... Oulala, mes cheveux. Deux fois par mois, je fais soin Botox. Et en fait, je sais pas, j'ai envie de me faire un masque là sur le visage. Mais j'ai peur, parce que comme j'ai bronzé, j'ai peur de me faire peler la peau.
C'est bientôt mon anniversaire. Je vais bientôt avoir 27 ans. Et ce matin, je me suis levée dans un bad mood parce que ben, mon anniversaire, il approche. Et j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bons choix, les filles. Mais j'en ai aussi fait beaucoup de mauvais. Et moi, je m'étais toujours imaginée, quand j'étais petite, plus jeune, déjà, je me suis toujours dit que à 26 ans, j'allais avoir mon premier enfant parce que ma mère, elle m'a eu à 26 ans. Je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours mis ça dans la tête. Et que j'aurais construit ma vie de famille et tout ça. Et là, je me dis, j'ai accompli plein de belles choses, mais ce rêve-là, je l'ai pas accompli et ça me fait beaucoup de peine, les filles. Il y a des choses, je vous jure, dans ma vie que vous savez pas. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois que j'ai trop mal vécu et je pense que c'est pour ça que j'ai déprimé les filles, enfin que j'ai fait une mini dépression et que j'ai un petit peu sombré. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Mais là, comme c'est bientôt mon anniversaire et que je vais bientôt faire 27 ans, je me dis, 27 ans, bientôt 30 ans, j'ai pas envie de vieillir, j'ai peur. Je vous jure, les filles, j'ai trop peur. Bon, les filles, il y a ma demi-sœur avec moi qui est venue. Elle me fait un soin botox là. Elle m'a lavé, enfin, j'ai fait une douche. J'ai fait le shampoing clarifiant, je fais le shampoing botox Naila Store. Ils sont trop bons, il est trop bien pour les cheveux. C'est un minimum une fois, deux fois par mois. Le soin botox sur tous mes cheveux, je les ai récupérés. Ouais, mais moi j'aime bien deux fois par mois. Ouais. C'est comme ça après, c'est sûr, j'ai plus de fourche et tout. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que comme j'avais le blond, tu as vu, j'ai récupéré mes cheveux. Genre, j'ai plus de fourche. Mais c'est à cause des. Enfin, c'est grâce au soin botox, les filles. Les shampoings clarifiants, oulala, ça assèche les cheveux. Là, j'ai les cheveux, c'est de la paille. Bon, les filles, tout à l'heure, ma soeur, elle me remonte le moral. Je lui dis, j'ai bientôt 27 ans. Ça m'angoisse. Imane, t'as fait quoi, 27 ans, toi? 27 ans, rien. Moi, sans tous mes anniversaires, je chiale. Mais 27 ans, c'est rien. Mais à partir de quel âge t'as commencé à chialer? 25. Ouais, pareil. Hein. Je te jure. 25 ans, j'ai commencé à chialer. Et là, je me dis, j'ai pas construit ma famille. C'est rien. Putain, c'est rien. Rien n'est jamais trop tard. Allah, il t'a déjà écrit ta vie. C'est vrai. Voilà, qui t'a déjà écrit ta vie. Tu vois. Avoir un enfant, Inch'Allah, quand le bon Dieu t'aura décidé. Ouais, mais en fait, moi, je me suis toujours dit, à l'âge où ma mère est mariée. Ouais, comme ta mère, ouais. C'est psychologique. Ah ouais? Ouais. Mais moi, ma tante s'est mariée à 24 ans, je dis, il faut que je me marie à 24 ans. C'est psychologique, voilà. C'est après, quand on est petit, on a un délire. Ah, mais tu auras un enfant, Inch'Allah, une fille. Inch'Allah. Tu auras trop bien habillée. Inch'Allah. Faut pas que tu déprimes pour ça. Ouais, mais c'est moi, vrai. Début mai, tu connais. Ouais. Début mai, j'aime pas. De toute façon, c'est bientôt nos anniversaires. Ouais. Et mon anniversaire, je vais pas le fêter à Dubaï, moi. Trop je vais dans un autre pays. Trop je pars avec Salia. C'est la meilleure. Je les ai tués en 24 heures. Les filles, gros code promo Lutèce. Les filles, je vous explique. Lutèce, c'est la meilleure marque de cosmétiques pour le corps que j'ai connue. Les filles, je vous explique, il y a plusieurs produits que j'utilise. Déjà, il faut que je vous parle de la crème. Vous voyez, la crème hydratante, les filles, elle sent trop bon. Elle sent la rose de Damas. Elle hydrate trop bien la peau, les filles. Elle est, regardez, je vais vous la montrer. Ça, je la mets tous les jours, tous les jours. Ça, c'est impossible que je la mets pas. Et en fait, elle est hydratante, mais elle pénètre hyper rapidement. Mais c'est pas ça, l'odeur qu'elle laisse. On dirait que vous vous êtes parfumé le corps. Et vous avez une peau de bébé avec. Et l'odeur, je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc j'ai ça, j'ai le gel intime, les filles, c'est une dinguerie. Regardez, en fait, le gel intime, il est rose. Et pareil, sans la rose de Damas, c'est que des produits avec des fragrances de luxe. Les filles, c'est des produits de cosmétiques de luxe. C'est une dinguerie. En fait, regardez, il est rose. Donc, vous le mettez au niveau d'en bas. Vous le laissez poser 10 secondes. Et après, vous avez une odeur, les filles. Une odeur. Et en plus, c'est aphrodisiaque.
En fait, tous les produits Lutèce, ils sont aphrodisiaques, les filles. C'est une dinguerie, l'odeur que ça laisse. Le gel douche pour le corps. Regardez, lui, il est violet. Il sent trop bon. À la fleur d'oranger, rose de Damas. Et le baume intime éclaircissant, les filles. Ça, c'est tous les jours après la douche. Donc, j'en mets au niveau d'en bas. Et en fait, ça va venir hydrater et éclaircir en bas. Et vous pouvez l'utiliser au niveau de votre lunette ou au niveau des aisselles. Si vous avez des colorations, je vais vous mettre une photo avant après. Genre que vous avez les aisselles noires à force de vous les raser. Et ben ça les dépigmente, les filles. Ça hydrate, ça dépigmente. Ça, en bas pour la lunette, c'est une dinguerie ce produit. Je ne peux pas m'en passer. Les filles, je veux juste vous montrer ma peau. Regardez ma peau, comment elle est belle, les filles. Parce que je l'hydrate tous les jours avec la crème Lutèce. Je vous jure, j'ai une peau de bébé et je sens bon. En plus, l'odeur, elle reste, les filles, elle est aphrodisiaque. Ça veut dire que vos maris vont kiffer. Donc là, les filles, vous avez le gel douche intime. Il est à base de rose de Damas et de camomille. Vous voyez, il est rose. Donc, vous le laissez poser pendant 10 secondes sous la douche, les filles. Ensuite, vous rincez. L'odeur, elle va rester. Mais je vous jure, l'odeur, elle est incroyable. En plus, il prévient des mycoses et il a une odeur aphrodisiaque. Mais les produits Lutèce, les filles, c'est une dinguerie. Regardez, il est rose comme ça. J'aime trop. Voilà, moi, je me lave ma minette qu'avec ça. Ça, les filles, il vous le faut absolument. C'est un baume intime éclaircissant. Ça, vous l'appliquez au niveau de votre lunette pour l'hydrater. Et en même temps, ça va éclaircir. Et vous pouvez aussi l'utiliser au niveau des aisselles. Si vous avez des aisselles qui se sont noircies à force du rasoir. Regardez, il est hyper, hyper... Je vais vous montrer. Il est hyper, hyper compact. Il est hyper riche et il est hyper éclaircissant. Et surtout, il sent trop bon. Voilà, moi, tous les jours après ma douche, sur ma lunette, j'en mets. Oh, c'est une dinguerie, les filles. Et ça, les filles, c'est la crème pour le corps parfumante. Les filles, comment elle sent bon. Elle sent la rose de Damas, donc c'est une fragrance de luxe. Elle sent le jasmin. L'odeur, elle reste sur votre corps. Après, vous avez votre corps tout hydraté. Regardez comment elle est. Elle est incroyable, les filles. Elle est à base d'huile, donc elle est super hydratante et protectrice. Ça, les filles, plus de 3 ans que j'utilise, même 4 ans. Je vous en parle tout le temps avant même de vous donner des codes promo. Je demande à la marque de m'envoyer les produits parce que c'est mes produits pour le corps préférés. Ça, cette crème là, je ne peux pas m'en passer. Elle est incroyable. Une fois que vous la testez, vous ne pouvez plus vous en passer. En plus, c'est un pot de 350 grammes, donc vous le gardez hyper longtemps. Ça, c'est un tout neuf parce que moi, j'en mets vraiment tous les jours. Mais l'autre, je l'ai gardé 6 mois, les filles. Et les filles, j'ai un gros code promo Lutèce. 30% de réduction. Les filles, foncez. Faites votre stock. Vous allez me remercier. L'odeur, moi, c'est impossible. Moi, c'est mes produits cosmétiques pour le corps préférés. Je ne peux pas m'en passer. Les filles, si je vous en parle comme ça avec autant d'enthousiasme, c'est que vraiment, c'est une dinguerie. L'odeur, l'hydratation, tous leurs produits là que je vous ai présentés, ils sont incroyables. Les filles, je veux juste vous montrer ma peau. Regardez ma peau, comment elle est hydratée. Ça, c'est parce que tous les jours, je mets la crème Lutèce, les filles. Tous les jours. Elle est toute douce. Je vous jure, quand on touche mon corps, on me dit j'ai une peau de bébé. Bon, les filles, j'ai ma soeur qui me fait mon soin Botox. Voilà, moi, vous le savez, le dimanche, je vous le dis tout le temps, les filles. Même si vous êtes occupées, que vous avez des enfants et tout ça, prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Et de vos cheveux, surtout. Parce que ça fait du bien mentalement, psychologiquement. Et moi, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est mon jour. Généralement, je ne sors jamais de chez moi le dimanche. Et c'est mon jour où je prends soin de moi. Je fais mes soins de ma peau, ma grande douche, mes cheveux. Et après, je peux commencer la semaine. Je suis bien. Vous voyez ? C'est le conseil du jour. Les filles, on va aller manger dehors. C'est le maquillage de la flemme. Mes cheveux sont magnifiques là, avec mon soin Botox. Les filles, si vous voulez avoir de beaux cheveux, 1 à 2 Botox par mois, vous allez voir, donc vous allez les récupérer. Tout mon blond là que je les avais massacrés, je les ai récupérés. Je vous maquille vite fait. J'aime bien la montagne, les filles, parce que j'ai le teint bronzé, donc ça fait joli. Allez, je mets un peu de bronzer. Juste histoire d'avoir bonne nuit. Je vais mettre le bronzer. Voilà. Un peu de poudre. Et ma poudre. Il faut que j'organise mon maquillage, les filles.
Mes cheveux sont trop lisses. Donc, bonjour. Donc ma soeur, les filles, pour ceux que ça intéresse, elle fait les lissages à Dubaï, les botox, elle se déplace à domicile, elle est trop forte, elle est super connue à Marseille pour ça. Du coup, bah, maintenant elle vit à Dubaï, donc elle est fait ici à Dubaï et elle est vraiment pas chère. Je vais vous partager son flyer. Hop là, si vous voulez vous faire lissage brésilien, botox et tout ça, il y a ma soeur. Bon, je mets un peu de poudre les filles. Oh là là, quand je suis en noir, j'en fous partout à chaque fois. Les filles, vous savez ce qu'il faut que je fasse que je lave tous mes pinceaux. Est-ce que je les mets à la machine à laver? Ça marche? J'ai déjà vu ça sur TikTok. Ça marche ou pas, Imen? Je sais pas, moi je les mets dans de l'eau très chaude. Et tu as vu le truc là où il y a des petits grains, genre tu fais comme ça? Ah ouais? Ouais. Tarpin chaud, tu mets du liquide vaisselle ou du savon? Liquide vaisselle, tu laves tes... Ouais. Non, il y a des produits spéciaux, non? Je sais pas, moi j'ai vu sur TikTok aussi liquide vaisselle. Liquide vaisselle. Liquide vaisselle. Après, tu mets pas tarpin parce que ça mousse. Non, mais c'est bon, je suis prête. Après, dans la machine, tu mets genre à 10 degrés. Ouais, une machine ouais, de 10 minutes. Ouais, voilà. Si crapule, genre. C'est bon, je suis prête, les filles. Oh là là, j'aime trop mes cheveux, comment ils sont. Trop beau avec mon botox. Je mets même pas de boucle d'oreille, hein. C'est bon, une paire de claquettes et. Devant comme ça on voit rien.